Yoshi style. A few moments later. Juste what? ça y est, on y est? Wow! What? 200. What? Attends, quoi? Attends, mais. Ouais, regarde, 200. Attends, YouTube pète des câbles. Ouais. Eh ben. En vrai, je sais pas quoi dire. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais 200 abonnés. Ouais. L'ambiance de fou. Ah. Mais en plus, j'étais passé les 10 000 vues. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, tu vois. J'ai 10 000 vues au total. Et 200 abonnés. Ce que je trouve pas. C'est pas non plus un truc de fou. Par rapport à certains qui ont monté, mais pour quelqu'un comme moi, champagne, plutôt champomie, je dirais. je ne suis pas très alcool. Alors, les estimations de revenus sur YouTube, si j'avais activé la monétisation, ça serait estimé entre 20 centimes et 3 euros. Moi, j'imagine pas 2 euros. Alors, quand est-ce que tu auras les deux? D'après le site, dans 5 ans, tu les auras même pas. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus de comment le site est en train de te troller. Eh, j'ai 3 viewers en même temps, c'est du jamais vu. Eh bien, il y a ce superbe site. Donc, c'est minecraft6.com/cartooncraft-resource-pack. Les mecs, ils ont écrit un article digne d'un article de journal. Ils ont fait une review sur mon texture pack. 4 sur 5. En originalité, j'ai 3,5 et en la qualité des textures, 4,5. Ce qui est pas dégueu, sachant que ils ont fait ça en le 2 novembre 2018. Tiens, on a eu un pic à 4 spectateurs. Bravo! Bravo le faux là. Yes. Je veux une 205 GTI maintenant. Alors, regarde. Donc, le bon coin. Tu vas sur le bon coin. Tu marques 205 GTI. Tu mets des prix croissants. Et là, tu as un moteur 205 GTI pour gratuit. Un béquet. Donc tu vois, avec tout ça, tu peux construire ta 205 GTI pour zéro. Ou alors tu as ces petits modèles miniatures qui sont pour 1 euro. Désolé pour la qualité patate. Oh. Okay. Deux ans, c'est le papy de Timo Hinchel. C'est ça, c'est le papy de Timo Hinchel. Waouh, l'ambiance de fou. Par contre, on dirait, en fait, quand il se baisse, on dirait qu'il a juste une seule envie, c'est d'aller pisser, en fait. Baby shark. Oh, d'accord. Oh, ok. Ah, ouais, trop stylé. Pour ceux qui connaissent pas VRChat, c'est un peu comme un réseau social. Sauf que c'est avec des bonhommes, des vrais bonhommes. Enfin, normalement, on est censé faire ça en VR, mais ils ont pensé aux pauvres qui peuvent pas s'acheter un casque VR. C'est-à-dire moi. Donc voilà. Donc ici vous pouvez apercevoir ma super connexion de pauvre AMDR. Voilà. Ça fait 4 likes. En 10 minutes, ça fait pas mal. Oh, il y a des gens. Il y a des gens là-bas, trop bien. Oula. Il est pas très joli lui. Alors, waouh, c'est un peu stylé quand même, hein. C'est stylé. Oh, me dis pas que ça fait encore. Oh. Ah. Oh non. Oh non, ça commence bien. Oh non.
Are you Spider-Man? Prochain tableau à 1 million de dollars. Miaou. C'est vrai que je ressemble un peu à un chat aussi, alors. J'ai fait une troisième oreille. Et le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Oh, hey Yoshi, waouh, trop bien. Ah, c'est une YouTube channel, d'accord. Can I have a table for one? Yes, right there. Le... Yes, I think. You wanna hear a joke? Yeah, yeah, if you want. You look shiny. Because you look shiny. Chinese. Je crois qu'il vient de me faire un jeu de mots, là. Entre brillant et chinois en anglais. Brillant en anglais c'est shiny et chinois c'est Chinese. Et à mon avis il a dû faire un jeu de mots. Enfin... No, what is this? Hello. Attends, je vais lui jeter des burgers sur la tronche. Ok. What? What is going on? Alors attendez, le Pookieboule, ça commence bientôt. Oh, ça marche. Oui. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens souvent m'appellent le Prof Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Choisissez un nom dans le chat, mais vraiment un nom ridicule. Je veux le nom le plus ridicule possible. La mouille va chier ou Bouddha. Le deuxième est incroyable. Ok, ton nom est donc va chier. Je sens, on va bien rigoler. Okay, c'est quoi donc son nom déjà? Alors, okay, Alzheimer, faites-vous aider, très rapidement. Bon, on va appeler Boudin, puisque c'est la seule autre proposition valable que j'ai. Ah oui, je me souviens, son nom est Boudin. Ce suspense qu'il y avait. Va chier. Oh non, une plante est coincée devant moi. Oh non. Va chier, je veux la Super Nintendo. Ouais. Bon, on y va, non? Non, je veux jouer à la Nintendo. La Super Nintendo. Oh, il arrive, tiens. Jour, le fils aimé. Quitte la maison. Bon, en fait, on dirait plus une mémé. Mais... C'est la vie. Le prof Shen te cherche. Il est dans la maison. Voisine. Ouais, je suis un thug, je marche sur les tabourets. Mais je veux manger mes Chocapic. Une fois fort, ils pourront me protéger. Sinon, t'as la police aussi. Via PC. C'est quoi? C'est qui PC? Assistant. Aussi nommé stagiaire payé. Boudin. Yo, va chier. Ça se prête tellement au truc. Merci, Azari. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Bah tu m'étonnes, ça fait au moins une heure qu'il attend. Déjà il se souvient plus de son prénom, puis après il oublie les rendez-vous, mais... Tu partes à la retraite le petit gars. Tiens, va chier. Il ne m'en reste plus que trois. Probablement parce que tu les as oubliés chez toi. Petit con. Putain, va chier. Ah bah je vais nommer ça la moche. Tu peux mettre plus de lettres sur ton Pokémon que sur ton propre nom. D'accord, et ben... Premier combat. Je suis dans la merde, les gars. Les gars, je suis dans la merde. Ouais. Oh, je suis niveau 6. Ah d'accord, en fait, je lui raque 175 Poké-Dollars, d'accord. C'est comment il vient d'arriver? Peux-tu la lui apporter? T'as cru que j'étais un facteur, connasse? Ça va, mec. On dirait une meuf. Putain. Comment va ton Pokémon? Bah il s'est fait défoncer mais ça va sinon. Oui j'ai quelque chose à te donner connard. Je veux bien remplir ton Pokédex de merde là.
Mais tu crois pas que je vais faire ça gratuitement, espèce de con? Quand même ta mère te dit va chier, c'est vraiment que t'es un connard quoi. Je vais vendre. Ah, on peut pas vendre ces Pokémon, merde. Le bon coin, Pokémon. Peu servi, niveau 8 uniquement. Mon crocodile, on va l'appeler Pigeon. Je vais l'appeler Pigeon.exe. Mais ton piaf, tu lui mets le feu au cul. Attaque de sa moche. Mais tu te fous de ma gueule? Mais putain. Mais allez. Mais faites-vous niquer. Après le combat, t'as un passage. Quoi? Mais toi. Espèce de connard de salamèche de putain. Oh merde, je suis dans la merde les gars. Putain. Putain, fais chier. Ah, Edith Piaf a survécu. Mais t'es parti faire du camping à la pêche ou comment ça se passe? Ouais, mais c'est pour le poké. Ah, quoi? Oh, tu te fous de ma gueule quand même. Oh, mais putain. Bon, attaque, griffe. Hop, problème réglé. Tu sais ce que je fais? Je vends de la drogue. Pokémoule, attrapez les tous. I play Pokémoule Go. Ah, t'es un dresseur. Pierre cherche un adversaire. Suis-moi. Oh merde. Oh merde, où est-ce que je suis allé encore? Oh merde. Non, 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 non. Je croyais qu'il allait me forcer à battre Pierre. Ennemi, envoie la sauce. Allez, sauce ketchup. Quoi? Ah, c'est sûr, il m'a envoyé la sauce ketchup là. C'est bon. Allez, allez, sauce ketchup. Quoi? Je suis dans la merde, les gars. Je suis dans la merde. Oh putain, je suis dans la grosse merde. Oh non, pas la sauce, pas la sauce, pas la sauce. Putain. Alors, non, les gens, j'étais du coup en train de régler mes paramètres du micral. Et mon micro, sur le fil, il y a un magnifique bouton qui permet d'éteindre ce micro. Le gland, le con que je suis, j'avais mis le micro sur off, c'est-à-dire que quand je parlais, ça faisait comme ça. Ah bah maintenant je viens de réactiver, mais du coup maintenant ça marche. Sauf que du coup je voyais, tiens, il y a une couille avec mon micro casse, c'est sûrement OBS qui a pas dû prendre le bon micro. Et du coup, j'ai été dans mes paramètres et j'ai pris le micro, le micro intégré du PC. Et du coup ça faisait un putain de son dégueulasse des familles. Un petit scrapt s'est fermé au moment où j'ai relancé le streaming. Donc ça veut dire que je dois relancer le putain d'Antiscraft. Un vrai plaisir. Parlons de ce que je suis en train de parler. Waouh, Denis Roro 2019. Merci. N'empêche, il y a un truc qui m'a vraiment toujours fait rire, c'est d'écouter mes propres éternuements. Les gens, non mais... À chaque fois que j'éternue dans une vidéo, à chaque fois que je réécoute, je peux pas m'empêcher d'être pété de rire au montage, parce que tout simplement, c'est... Je trouve ça juste drôle. Ah là là, Denis Roro qui est... Tu m'étonnes que j'ai tué les oreilles. Ah là là. Bon. Alors. Ah, je vais pas m'en remettre. Ah non, ouais c'est ça, je ris, je tousse en même temps, on dirait que j'ai un cancer en phase terminale. Bon, construisons. Construisons. Alors, construisons donc un magnifique Yoshi. Alors, bon. Aïe aïe aïe.
coup dur pour demi. Tease. Arrête Vincent. MDR, il y a Nerus, il est en train de juger et je suis sûr en fait, il est en train de vomir par les yeux. Mais non, qu'est-ce qu'il fait encore? Ah non, j'ai très peur de ce qu'il va faire en fait là. On dirait, tu sais, les petits trucs... Le serpentin? Oui, mais... Tu sais, les trucs de fête là, les... Ah! Attends. Non! Mais pourquoi? Je sais pas si c'est toujours sur le live, mais en tout cas. Quoi? J'y peux pas! On a un dans le chat, il est d'accord avec nous pour dire que Fortnite c'est de la merde. Mais je suis totalement d'accord avec eux. Ouais, je suis totalement d'accord. Il y a actuellement 4 visionnages en cours et 3... 4 visionnages. Mais hey, les gens, ils sont super intéressés par Proto Escape. Hein. Donc si vous jamais... Wow vous... Et non mais... Waouh. Et je peux refaire encore. Si je le refais, tout le monde met un pouce bleu. Ouais, ouais, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Aucune voiture n'est débarrée. Ça part tellement en couille à la fin. Bon, la vérité, c'est que j'ai ma petite cousine chez moi qui s'amuse à appuyer sur le bouton wifi de la box et du coup, ça a éteint la wifi de chez moi. Ah, d'accord. Voilà, bon, c'est ça le problème. Ah, sale gosse. Je arrive sur le serveur en ligne et franchement, je viens de découvrir un truc qui est pas mal. On retourne à l'endroit où on était déconnecté la dernière fois du mode en ligne. Logique. Waouh. Julien découvre Minecraft. Oui, bah ta gueule, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine que je suis inscrit, alors tu vas te la fermer? Oui, t'inquiète pas. Oh, calmez-vous. Je te charrie. Alors, Julien? Oui? Tu peux me nommer le con de l'année. Parce que... T'as fait une connerie? Je me suis dit, mais tiens, eh ben, pour économiser la connexion internet avec Untease et le live, je vais couper Discord. Sauf que j'avais oublié que Discord, c'était le logiciel qui permettait d'être en vocal. Du coup, j'ai coupé Discord. Ah, mais c'est lui avec sa canne à pêche, là. Ah non, il nous tire dessus, non. Pars-toi, Julien. Il tire dessus. Sauve-moi, Julien. Mais non. Attends, j'essaie de me sauver, moi, déjà. Je suis sur le bord de ton circuit. Comment tu t'éraches? Putain, il est devant moi. Demi-tour. Comme ça, tu pourras passer de l'autre côté. Oh, merde, Michante. Il est en train de nous foutre des... Ah, merde, il y a des trucs. Il est en train de nous foutre des XP. Mais non, c'est des potions. Mais non, c'est l'XP. Il est en train de balancer des potions. Je vais faire un truc de ouf. Ouais. Je suis passé en gif entre deux poteaux dans le hangar. Ah ouais. Et, bah GG alors, parce que c'est pas si facile que ça. Même moi, je galère. Non, je t'ai fait ça tranquille, au calme. Le gars, il est toujours en train de balancer des trucs. Ouais. Avec... d'accord. Bon, par contre, on s'est pris des popos à la con. Oh non. Ah bah voilà. On a empoisonné tous les deux. Voilà, moi, j'en ai marre. Je rentre à ma maison. Putain, je reviens, j'ai encore le téléphone qui sonne. Ça, c'est pas l'isolation à 1€. Ouais, non mais... Bon, là les amis, révélation. Ce n'était pas un coup de téléphone pour une isolation à 1€, pour une isolation gratuite. Ah putain.